Yes. Donc j'ai commencé à 13 ans à Eisringen en deuxième provinciale. J'ai fait là deux saisons en jeune, en cadet. Après je suis arrivé ici à l'âge de 15 ans à Tubize. J'ai passé plusieurs tests et puis j'ai été accepté. Après je suis resté un an en U16. Tout s'est très bien passé. J'ai fait même quelques sélections en équipe nationale des moins de 16 ans. Et puis je suis vite monté en réserve où j'ai fait une saison. Et de là, je suis monté en équipe première où ça fait, je pense, 5 ans que maintenant je suis dans le noyau. Et tout se passe très bien. Donc en équipe nationale, j'ai côtoyé des joueurs qui aujourd'hui, internationalement, ont un bon début de carrière. Je pense notamment à Jordan Lukaku avec qui je m'étais entraîné. Il y avait aussi Malanda qui, malheureusement, a eu cet accident il y a 2 ans depuis hier. Ce qui, je pense, est un talent très prometteur pour la suite. Maintenant, c'est dommage s'il est arrivé. Puis pour le reste, il y a Pratt qui a explosé à Anderlecht. Et c'est les joueurs qui ont le plus percé jusqu'à aujourd'hui. Et c'était déjà des très bons joueurs à l'époque. Mon premier match, ça date de 2012, je pense, où j'avais fait une première montée à Ostende. J'avais joué un petit quart d'heure et c'était mes grands débuts. Après, ma première titularisation a suivi une ou deux semaines après contre Dessel en déplacement. C'est un bon souvenir parce que c'était ma première titularisation. En plus, on avait gagné, donc c'était un très bon début. Mon plus beau souvenir ici à Tubize, c'est le premier but que j'ai marqué. C'était quelques semaines après mes débuts en équipe première. C'était un des premiers matchs ici à domicile contre Anvers où j'avais débuté. Et je pense après 2 minutes de jeu, je marque d'une talonnade. Et ensuite, je fais un bon match avec une passe décisive et donc un but. Et au final, on gagne le match 3-2, il y avait une super ambiance. Donc je pense que c'est un de mes plus beaux souvenirs jusqu'à aujourd'hui. Ouais, c'est vrai que ces dernières semaines, j'enchaîne les matchs, c'est une bonne chose pour moi. En plus de ça, l'équipe commence à tourner, on commence à avoir, un vrai fond de jeu, une bonne qualité. On démontre un peu le potentiel qu'on n'avait pas su montrer en début de saison. Personnellement, pour moi, c'est une bonne chose. J'enchaîne les matchs, je me sens de mieux en mieux sur le terrain. Et puis, j'essaie de rendre la confiance que le coach me donne en donnant tout à chaque match, et que ce soit les matchs qui soient passés ou qui refassent appel à moi par la suite, je ferai encore en sorte de tout donner pour lui rendre la confiance qu'il me donne. Un joueur que j'aime bien sa façon de jouer, c'est Paul Pogba, qui joue un peu au même poste que moi. Après, c'est un joueur que j'apprécie parce qu'il a cette technique et cette protection de balle qui fait que j'aime bien son style de jeu. Après, il y a Modric aussi dans son jeu de passe et dans ses déplacements. Donc, c'est deux modèles pour moi qui jouent au même poste que moi. Et donc, je suis attentivement. J'aimerais remercier tous les supporters qui ont voté pour moi. C'est une belle récompense de m'avoir élu joueur du mois. Ça me fait très plaisir et ça m'encourage à continuer de la sorte et de tout donner pour les matchs qui vont suivre. Merci à tous.